Holy shit. En effet, Duke, cette nouvelle intro est épique. Hello tout le monde, c'est VDF et laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que je vous ai manqué pendant ces deux petits jours d'absence? Eh bien, j'espère bien. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Merci, ça fait vraiment plaisir. Comment ça, j'ai tué mon public? Bien sûr, vous parlez de ceux de la semaine dernière à qui j'ai envoyé FPS ou chien pour tous les liquider. Oh mais non, mais ça c'est du passé, voyons. Ouais, ceux-là j'ai décidé de les embaucher et plus de les kidnapper, parce que ceux que j'avais kidnappés, vous avez vu qu'ils essayaient de faire tout pour ruiner mes vidéos, pour se plaindre ou je ne sais trop quoi. Au moins ceux-là, vous voyez, ils gagnent leur vie grâce à cela, donc ils sont vachement motivés, ils font ça bien. Enfin bref, trêve de blabla, il est temps de passer aux clips qui sont exceptionnels de aujourd'hui, c'est parti. On commence avec un X-Ray Prophet, et si vous êtes un patron d'un restaurant ou d'une boucherie ou je ne sais trop quoi, bien sautez sur l'occasion, ce type est un pro, il faut l'embaucher, regardez, il va manier le couteau mais comme un pro, et si vous me croyez pas, voici une démonstration en live, il va nous faire une magnifique brochette de 8 humains, 8 ennemis, bien saignant, bien comme je... Oh regardez-moi ça, ça me donne faim, rien qu'à voir ça, il manque plus qu'à les griller. Bon par contre sa spécialité c'est les humains, il va falloir qu'un restaurant cannibale, je sais pas si ça existe, mais si vous avez ça, oh, c'est l'homme qu'il vous faut. Enfin bref, apparemment il voulait vraiment que ce soit moi qui commente son clip et ça m'a fait vraiment plaisir. Oh bordel, vous êtes franchement géniaux, j'ai bien fait de vous embaucher, je crois même que je vais vous foutre une promotion, franchement, à la place de 4 chips par mois, je crois que je vais vous augmenter à 5 chips par mois, à se partager bien entendu. Ah, je suis trop génial, non mais vous le méritez, je pense que vous le méritez, enfin bref, il est temps de passer au second clip. Le prochain et dernier clip nous a été envoyé par un type qui a un pseudo assez original, je sais pas si je l'aurais dit, c'est le géant. Oh, c'est bon, c'est pas la peine de censurer ça, bordel, il regarde du COD, ils doivent avoir un certain âge, enfin, normalement. Enfin bref, donc son pseudo c'est le Zizi géant. Comment t'as fait pour savoir? Je pensais pas te l'avoir. Enfin bref, vous allez voir que notre ami manie parfaitement bien l'engin qu'il a entre les mains, et je parle bien entendu du spasoud, mais qu'est-ce que vous imaginez, bande de petits pervers? Enfin bref, il a déjà fait 3 kills donc, et vous allez voir que voilà, là il va faire quelque chose qui va me faire plaisir en effet, regardez-moi. Splash! Oh ouais, triple kill, une belle giclée de ces 4 bien entendu. Il va enchaîner avec un autre kill et je trouve ça assez marrant les mouvements qu'il fait entre chaque cartouche, je veux dire, venant d'un Zizi géant, si vous voyez ce que je dis, enfin bref, c'est complètement... Ce clip du jour devrait être 18 et plus, je ne sais trop quoi. Enfin bref, ce type va faire un carnage et il va se terminer avec la UMP45. Voilà, au loin, ces petits ennemis, vous en voulez, bah, il la porte tranquillement. Ça c'est fait, magnifique clip de ta part, merci à toi mon petit Zizi. C'était le clip du jour, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi, vous avez des clips de fous, de malades, de tarés qui pourraient presque faire passer Godzilla pour Yoshi, eh bien vous les envoyez sans plus tarder à connexcuger. Alors bah gmail.com, ouais, c'était VDS. Bye. Ah, et si vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas fait les deux derniers clips du jour, bah c'est assez simple, vous rappelez du public que j'ai tué là, il y a deux semaines, enfin il y a une semaine, pardon, eh bien, c'est que leurs familles sont vraiment pas très contentes, on peut les comprendre en même temps, ils ont décidé de se venger, ils ont acheté pas mal de tueurs à gages, et là il y a 47 qui est en train de me poursuivre, c'est vraiment le bordel, toute la semaine je l'ai passé à courir, à cacher, et là je suis dans un bunker au milieu de la forêt, j'ai peur que Slender me trouve aussi, enfin bref, c'est vraiment stressant, et je risque ma vie en vous commentant ce clip du jour, vu qu'il pourrait peut-être m'entendre, et il va peut-être me surprendre, si demain, normalement, je dois faire le prochain clip du jour, mais si je suis pas là, quelque chose de grave s'est arrivé, je crains que ce soit la fin de ma vie, adieu tout le monde, oh mon dieu.